Alors c'est ça, le théâtre organique, le théâtre du vrai, c'est de dire, à ce moment-là, on va avoir de l'empathie, et c'est pour ça que je dis, le corps de l'artiste doit être celui le plus ouvert. Pour revenir là-dedans, ça veut dire que pour moi, la notion de l'interprète est une notion où l'interprète sait se mettre en distance. Il est capable de faire des choses qu'il n'est pas dans sa réalité de la société. Il doit être capable d'aller dans tous les extrêmes, mais aussi de questionner la limite. Et qu'est-ce que c'est que la limite? Est-ce que c'est une limite du supportable? Est-ce que c'est une limite théorique? Est-ce que c'est une limite du respect des codes? Et justement, ce qui m'intéresse, c'est de bien questionner cette limite du respect des codes. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça veut dire, au moment où nous, on les propose ici, où on les questionne ici, ça sort de cette salle, ça transpire, ça va ailleurs, ça part dans un café, ça part dans la tête. Alors, dans ce cas-là, c'est pour moi un théâtre qui est vécu. C'est pour ça que je dis très souvent, je ne suis pas là pour vous montrer quoi que ce soit, mais pour essayer de vous faire vivre quelque chose.